Compte rendu de la deuxième réunion du Conseil des ministres. Le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé en visioconférence ce vendredi 7 mai 2021 la deuxième réunion du Conseil des ministres du gouvernement de la République, dirigée par le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge. 6 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Point d'orientation du Premier ministre chef du gouvernement. 3. Point d'information. 4. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. 5. Examen et adoption des dossiers. 6. Examen et adoption de projets de texte. 1. De la communication du président de la République. La communication du président de la République a porté sur 3 points, à savoir 1. Du fonctionnement de nos institutions provinciales. Préoccupé par l'instabilité au sommet de certaines de nos institutions provinciales, caractérisée par la déchéance de certains gouverneurs de province et des conflits permanents entre des gouverneurs et des assemblées provinciales, le président de la République, chef de l'État, a chargé le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, de se mettre en contact avec la Commission électorale nationale indépendante CENI, pour procéder à l'organisation des élections de gouverneurs dans les provinces concernées. Il faudrait par la suite que le ministre de l'Intérieur organise des séminaires réunissant les assemblées provinciales ainsi que le gouverneur pour trouver un modus operandi qui apporte la stabilité dans nos provinces. 2. Au sujet de l'enseignement supérieur et universitaire. Après la visite qu'il a effectuée le mercredi 5 mai 2021 dans quelques universités et instituts supérieurs, le président de la République a demandé au ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire de mobiliser des moyens à mettre à disposition de professeurs pour faciliter la production des syllabus et répondre ainsi à la demande formulée par les étudiants quant à ceux. Il a en outre donné des orientations au ministre de l'ESU pour travailler avec son collègue de transport et voies de communication en vue de mettre à disposition en matinée et en fin de journée des bus pour faciliter la mobilité des étudiants. Au sujet du plan de développement de nos territoires, le président de la République a terminé son propos en informant le Conseil des ministres de sa volonté de mettre en œuvre le plan de développement de nos territoires. Il sera question de leur doter d'un budget qui leur permette de financer certains projets, notamment la construction d'infrastructures de base, les routes des dessertes agricoles et les stations d'adduction d'eau, etc. Il a encouragé les membres du gouvernement à y contribuer. Du point d'orientation du Premier ministre, au cours de cette deuxième réunion du Conseil des ministres, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde a donné les directives précises aux membres de son équipe quant au fonctionnement du gouvernement. Elles concernent la tenue des réunions, les délibérations au Conseil des ministres, le travail en commission, ainsi que la préparation des dossiers et projets des textes à soumettre aux instances gouvernementales. Il a rappelé au ministre la nécessité de respecter les règles de collégialité et de solidarité qui caractérisent le travail au sein de son cabinet. Par la même occasion, il a annoncé la tenue prochaine d'un séminaire gouvernemental qui permettra de renforcer la cohésion au sein de son équipe. Le Premier ministre a invité l'ensemble de son équipe gouvernementale à respecter les délais légaux de déclaration du patrimoine conformément à l'article 99 de notre Constitution. 3. Du point d'information. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a présenté les faits saillants de l'état du territoire national, tant sur le plan social que sécuritaire. Il a rappelé que la population attend du gouvernement de la République des signaux forts pour que ses revendications soient prises en compte. Il a noté que la population a accueilli favorablement la décision du président de la République proclamant l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Laquelle mesure a été suivie par la nomination des gouverneurs et vice-gouverneurs militaires et policiers à la tête de provinces susévoquées. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a également noté le mécontentement des utilisateurs des réseaux de communication vis-à-vis des méthodes de prélèvement de faits des RAM initiées par l'autorité des régulations de postes et de télécommunications. Quant à la taxation de ces services, il a suggéré la constitution d'une commission interministérielle pour examiner cette situation afin d'éclairer l'opinion. Le ministre de la Défense nationale et ancien combattant a pour sa part
brosser la situation générale du pays par zone des défenses. Il a salué la formalisation par ordonnance présidentielle de la décision du commandant suprême, proclamant l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord-Kivu. De son côté, le ministre de la Santé publique a informé le Conseil de ministres de la découverte dans un immeuble situé dans la commune de La Gombe de 25 cas de Covid-19, parmi lesquels 20 expatriés et 5 Congolais. Des mesures sanitaires appropriées ont été prises. Il s'agit entre autres de la mise en quarantaine de tous les occupants de l'immeuble tout en séparant les cas contaminés des cas contacts. L'organisation de la prise en charge correcte selon le protocole national de toutes les personnes infectées. La décontamination de l'immeuble concerné. L'approfondissement des investigations avec un mapping pour suivre tous les cas suspects. Le ministre de la Santé a profité de l'occasion pour inviter les membres du gouvernement à respecter et à faire respecter les mesures barrières contre cette pandémie. De l'approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres, le Conseil de ministres a approuvé les décisions de la première réunion du Conseil tenue le 30 avril dernier, soumises à son approbation. Examen et adoption d'un dossier. Le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale a soumis au Conseil de ministres une requête en vue d'une réponse humanitaire urgente dans les provinces de l'Ituri et du Nord-Kivu. À travers cette action, la riposte humanitaire s'efforcera d'identifier en urgence 1. Le risque de rupture de solidarité communautaire. 2. Les risques de la désinformation de la population. 3. Et enfin, le risque social, politique et sécuritaire. Le Conseil de ministres a approuvé, après débat et délibération, cette requête qui témoignera de la solidarité nationale aux populations du Nord Kivu et de l'Ituri durant cette période de l'état de siège. Une commission ad hoc a été mise en place pour la mise en œuvre de cette décision. Par ailleurs, le ministre des Affaires sociales a informé le Conseil de ministres de la situation qui prévaut dans la province de la Chuapa, consécutive aux violences enregistrées ces derniers jours entre les Bantous et les Pygmées. Il a sollicité l'intervention du gouvernement pour apporter des moyens de subsistance et rapprocher les différentes communautés. 6. Examen et adoption de projets des textes. Le projet d'ordonnance rapportant l'ordonnance numéro 08/003 du 9 janvier 2008, implantant une cour militaire opérationnelle dans la province du Nord-Kivu, a été présenté au Conseil de ministres par la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Elle a sollicité son approbation en vue de se conformer à l'ordonnance du 3 mai 2021 portant proclamation de l'état de siège qui autorise les voies des recours. Celle-ci n'étant pas autorisée dans cette juridiction conformément à l'article 87 du Code judiciaire militaire. L'existence de cette juridiction devient donc incompatible avec les mesures pré-rappelées. Ce projet d'ordonnance a été adopté moyennant amendement. Pour sa part, le ministre de l'Industrie a présenté les projets des décrets portant approbation de la convention de collaboration signée entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et la firme AVZ. Ensuite, il a présenté le projet d'un accord de collaboration entre le gouvernement et l'entreprise précitée. Ces deux textes ont été renvoyés à la commission interministérielle compétente avant son examen en Conseil de ministres. Commencé à 10h, le Conseil de ministres s'est clôturé à 13h47. Je vous remercie.